Boufoudi, qui travaille avec le jab, mais qui dernièrement caissé. Ça y est, c'est franchement pour atteindre le très haut niveau, lorsqu'on a un gros potentiel comme Bévy, est important après de vraiment travailler, mais de façon millimétrée, désaxer, donner les coups au bon endroit, croiser en haut, en bas, comme le font les boxeurs américains très souvent. Et c'est des petites choses qui font la différence. Et voilà, ça c'est propre, c'est beau. Et oui. Non, j'aime pas ça. J'aime pas ces attitudes là. J'aime pas. Allez, mes vieux, faut se relâcher. Ça y est, l'arcade. Vous avez parlé de choc de tête, mais d'entrée. Hein. Ça, exactement. Prévisible et. Oh là là, c'était. C'est un grand classique. Et on va arrêter le chronomètre, bien sûr, le temps de faire venir le docteur. Ça sent mauvais. Ouais, complètement. Alors, faut voir à quel endroit a été fait. Le doc, il est ici. Faut voir à quel niveau est l'entaille. Si c'est au-dessus de l'arcade, c'est moins gênant. Mais là, ça sent la grosse entaille. Aïe. Ah oui. Alors là. L'arrête. Je vous l'ai dit, c'est fini. C'est terminé. C'est fini. C'est terminé pour Afeline. C'est terminé. Vous l'avez vu, l'avis du docteur, bien sûr, en direct. Bon, je vous l'avais un petit peu malheureusement prédit. Bien sûr. Voilà, gaucher droitier, puis sa façon de se tenir, son crâne rond comme ça, la fonceur. Oui, ça pouvait être dangereux. Ça laissait présager, en tout cas. Heureusement, en tout cas pour Mévis, ça.